Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un méga haul retour de course. Si vous aimez les retours de course, c'est celui-ci qu'il faut regarder, hein. J'ai fait des grosses courses à Auchan. Ce matin, c'était achat de Noël. Je suis partie à 9h, je suis rentrée à la maison à midi. Donc, autant vous dire que j'ai passé ma matinée à droite, à gauche. Je me suis d'ailleurs même ouvert la main, là, limite, en mettant un gros, gros carton dans la voiture. Je vous montre ce que j'ai pris à Auchan. Là, j'ai fait mes courses pour les 15 prochains jours. Premier jour, n'importe quoi. J'ai mon menu, je vais essayer de vous dire au fur et à mesure ce que je vais faire. Mais voilà, j'ai pas mal de choses, donc c'est parti. J'ai pris 2-3 bricoles qui sont en rapport avec l'application Shopmium. Ça me permet de me les faire rembourser, comme ces céréales. Voilà, c'est des céréales Trésor, goût cookie and cream. Ça a l'air très bon, c'est pour les garçons. Alors, c'est pas forcément hyper bon pour la santé, mais de temps en temps, voilà. Même c'est une application qui permet d'avoir des euros de remboursés. En fait, vous achetez un produit, vous bipez le ticket de caisse, vous bipez l'article, et il vous rembourse une grosse partie sur votre compte bancaire. Par exemple, là dernièrement, si vous prenez par exemple le lait Novalac pour vos bébés, j'ai acheté 3 boîtes de lait Novalac, ils m'ont remboursé 10 euros sur mon compte, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous mets d'ailleurs mon code parrainage si ça vous intéresse, ça vous donne le droit, je ne sais plus à combien, mais je vous mets toutes les infos ici. Voilà, ça c'est pas du tout un partenariat, c'est que je le fais depuis des années et j'avais arrêté pendant un temps, puis là je suis en train de reprendre, donc voilà. Et puis avec Shopmium, j'ai pris les petits fromages aussi comme ça, pavé d'affinois. Donc là j'ai pris les classiques et là j'ai pris le mélange, voilà. Donc ça je vais avoir je crois 30% de remboursé sur mon compte bancaire, donc c'est plutôt cool. Papier toilette, donc ça je vais pas m'attarder. J'ai pris ça, Bastien il adore. Quand on a été visiter l'usine Perrier dans le sud de la France, il avait goûté, il avait trouvé ça très bon. Par contre, les prix c'est du tout ou rien. J'y suis allée en chercher, je crois, il n'y a pas très longtemps. J'ai payé genre 3,50 € le pack. Là, je l'ai payé 5 balles. Donc je l'ai pris parce que Bastien adore, mais clairement, si ça reste à 5 euros, je n'en reprendrai pas. C'est très cher pour 6 canettes, mais il adore. C'est du Perrier avec de la caféine et du maté, saveur citron vert. C'est energizing, c'est energize, ils disent. Lui, il préfère ça 100 fois des Red Bull. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment. Il adore. Et il trouve que vraiment, ça booste et quand il est fatigué, il adore. Donc voilà. J'ai pris ça. J'ai pris du pain de mie comme ça, complet en tranches. Mon amour. Ensuite, j'ai pris un jus comme ça, 100% pur jus de pomme. J'ai pris du mire pour la vaisselle. J'ai pris une recharge pour le lave-main. J'ai pris des petits gâteaux apéro, des comme ça et des onion rings. Ça, c'est mes préférés. J'adore, j'adore. Pour les enfants, j'ai pris des petits carrés comme ça aussi. Hop, j'ai pris un gros pot de sauce bolo. Ah oui, alors je vais vous montrer le surgelé, comme ça je vais aller le ranger. En surgelé, j'ai pris des boulettes comme ça de bœuf. C'est pas très très cher. Après, voilà. J'ai pris des tranches comme ça de cabillaud. Et j'ai pris du saumon. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai pris en surgelé. J'ai pas pris grand-chose. Ensuite, j'ai pris de l'emmental râpé. Ça, c'est un gros sachet. Qu'est-ce que je vais faire avec le cabillaud? Je ne sais plus. Je vais faire cabillaud ratatouille. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai pris de la sauce soja cuisine. Je prends ça maintenant. On essaye de faire attention pour perdre un petit peu de poids. On mange plus de pain. Voilà, on a arrêté le pain. Ça, c'est pour moi. J'ai pris des yaourts à la grecque nature. J'ai pris un petit sachet comme ça. Parce que vous allez voir, j'ai acheté du poulet. Hop. Voilà. Du poulet comme ça, des petits pignons là. Hop. Et du coup, j'aime bien les mettre là-dedans. Je trouve que ça donne du goût. J'ai pris 2 boîtes de tomates concassées. Ça, c'est pour faire des œufs à la tomate. En fait, je mets ma tomate avec des herbes, des épices dans ma casserole. Je casse des œufs dessus, comme des œufs au plat. Et avec du riz à côté, c'est trop bon. Les enfants adorent. Ça coûte pas cher et c'est hyper simple. Papier cuisson, j'en avais plus du tout. Ensuite, demain, nous allons visiter un zoo. Donc, on va pique-niquer. Donc, j'ai pris des sandwichs pour les pique-niques. Donc, j'ai pris 3 comme ça. Jambon emmental, 3 poulets rôtis, donc ça, Bastien et Maï vont se le partager. Ensuite, j'en ai pris d'autres, je vais les retrouver. Hein. Pour moi, je me suis pris la salade comme ça, je l'adore, la Roma avec des pâtes et du speck, c'est trop bon. J'ai pris de l'huile d'olive puissante, je n'ai pas fait gaffe, mais de l'huile d'olive, voilà. J'ai pris 1 kg de ketchup, j'ai pris du Babybel, alors des fromages, j'en ai pris plein, je me rappelais plus sur ce que j'avais pris sur le drive. Ça, je l'ai pris en fait dans Auchan ce matin en allant faire les cadeaux. Ça, j'avais pris au drive. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Ça va se manger. J'ai pris des petits fromages blancs comme ça. J'ai pris un gros pack de yaourts mixés aux fruits.
Ensuite, toujours les yaourts, j'ai pris des petites mousses comme ça au café. Sébastien, il adore. Maë aussi. J'ai pris des chips pour le pique-nique de demain. Coquillettes complètes. Ça, c'est le petit plaisir qu'on fera dans le week-end. Voilà. Je vous dis, la semaine, on essaie de vraiment faire hyper attention. Et le week-end, de faire un peu plus plaisir. Donc, j'ai pris un saucisson. J'ai pris un beurre. Voilà. J'ai pris des dés de jambon. Ça, c'est pour faire dans une salade. Je vais faire une salade et je vais mettre du dés de jambon. Les allumettes de bacon, je fais plein de choses avec ça. En fait, avec les allumettes de bacon, hier j'ai fait une omelette avec du bacon, c'était trop bon, tout le monde s'est régalé. De l'emmental comme ça, une grande portion. J'ai pris des muffins nature et des muffins complets. Ça, c'est pour faire des petits clubs, en fait, comme des petits sandwichs. J'ai pris des complets aussi, c'est meilleur. Et on met ça avec du jambon, pas du jambon, mais du blanc de poulet en tranches, c'est trop bon. Salade, vous mettez ça. C'est excellent. J'ai pris des spaghettis complètes, toujours. J'ai pris des napolitains, des croutons pour la soupe et des croutons pour la salade. J'ai pris des petits sandwichs comme ça. Donc ça, c'est pour Evan et Arthur. Ils aiment beaucoup. Compote pomme-poire, ça, c'est pour moi, sans sucre ajouté. Ça, c'est pour moi, c'est crème décolorante. Ça, c'est pareil, ça coûte un bras. Hein. Heureusement, j'en achète une fois par an, voilà. J'achète aussi donc du riz long. J'ai pris des liégeois au chocolat, ça c'est pour Arthur. J'ai pris des bouteilles à boire comme ça, c'est des grandes, voilà. J'ai vraiment fait mon menu pour 15 jours et ça c'est plus pour les petits déj, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment rempli pas mal les laitages pour que ça tienne 15 jours. J'ai pris des petits pois carottes, j'ai pris deux paquets de ratatouille comme ça en boîte, pas deux boîtes. J'ai pris des petits Yoplait comme ça, vous savez, avec le petit papier enlevé autour. Ça, les garçons, ils adorent. En promo, il y avait du produit pour la lave-vaisselle. Donc, ça dure très longtemps. Un pack de bière pour papouner. Les courses, si vous me demandez, j'en ai eu pour à peu près 188 euros au drive. Et après, dans Auchan, j'ai pas pris grand-chose. Enfin, j'ai pris que des cadeaux. Donc j'ai dû avoir pour aller une dizaine d'euros, je pense, dans. J'ai pris un paquet de serviettes comme ça. J'ai pris une pince à épiler. Donc voilà, je vous dis, j'en ai pour une quinzaine d'euros parce que j'avais oublié, j'avais pris ça et ça c'est 3 euros. J'ai pris deux paquets de mouchoirs. J'ai pris des Capri Sun pour les enfants. Et le dernier gros paquet. J'avais pas d'autre chose. Alors, j'ai oublié, j'ai pris 24 œufs. Voilà, parce qu'on en passe beaucoup des œufs. J'ai pris des yaourts à boire, mais petit format cette fois, plus petit. J'ai pris des skyrs à la vanille. Des galettes, on va faire des galettes salées. J'ai pris deux chèvres comme ça. Je vous montrerai mon menu après si vous voulez. J'ai repris des allumettes de bacon. J'ai pris un chou-fleur. On adore ça. Donc là, j'ai pris trois cœurs de laitue. Voilà, c'est pas des sucrines, là, c'est des cœurs de laitue. J'ai pris des tomates Torino, là j'adore celle-ci, les allongées. C'est mes préférées, je trouve qu'elles ont du goût, elles sont bonnes. J'ai pris presque un kilo de carottes. Ensuite, un oignon jaune, parce qu'il n'y avait plus de rouge. J'ai pris ça en promo, 3 briques comme ça, ou 3 litres de soupe. C'est du velouté 9 légumes, voilà, c'était en promo. Je crois que c'était 2 achetés, 1 offert, un truc comme ça, donc bon. Ça, c'est toujours pas mal. J'ai pris du poulet, blanc de poulet comme ça, tout ça. Sachant que j'ai été voir au congé, j'en avais encore pendant 1 kilo. Donc, c'est pas grave, je passerai. De la viande de grison, de la mâche. Donc, du blanc de poulet, du jambon blanc, de la mayonnaise, de l'ail, une tête de brocoli qui est pas très verte. Donc, on va faire qu'on la passe vite, hein. Et ensuite, j'ai pris du chèvre râpé. Et j'ai pris un autre paquet de jambon blanc et deux paquets de rôti de porc. Voilà. Donc là, j'ai pour faire 15 jours, j'ai aussi un paquet d'eau cristalline. Voilà. J'avais aussi donc un pack d'eau cristalline et un lot de papier toilette. Essuie-tout. Voilà. Donc mon menu, qu'est-ce que j'ai prévu de faire sur les 15 prochains jours? Donc je vous ai dit des œufs tomates avec du riz, chou-fleur rôti de porc, curry de poisson, une quiche sans pâte avec de la salade,
Ensuite, une salade de tomates, thon, œuf et soupe. Muffins salés, blanc de poulet. Poisson blanc, chou-fleur. Les poissons blancs, c'est le surgelé. Salade de. Ah oui, alors je fais une salade de pâtes avec des brocolis, du jambon et du chèvre. On mélange tout ça, c'est trop bon. Je fais des spaghettis jambon. Cuisse de dinde ratatouille. Alors, j'ai pas les cuisses de dinde parce qu'il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris des espèces de petits pignons là, de poulet ratatouille. Le samedi soir, j'avais prévu un petit resto. Voilà. Ensuite, poulet, crème de riz et carottes. Voilà, donc le poulet, c'est pour ça. La crème. Crème de riz. Poulet crème avec des champignons et riz carotte, voilà. Ensuite, omelette champignon salade, salade de chèvre chaud, tarte poireau chèvre, velouté de légumes avec des œufs durs en entrée, crêpes sarrasin jambon champignon, boulette sauce bolo et rôti de porc petit pois carotte, voilà. Donc il y a largement de quoi faire. Là, on a pour 15 jours complets, sachant que là, cette semaine, c'est encore les vacances. Donc, j'ai des repas pour le midi et le soir. Donc, voilà, j'ai essayé de faire assez varié. Voilà, et puis c'est cool. Donc, là, j'en ai pour 200 euros. Donc, je vais voir si je tiens pour 200 euros, pour 5, avec tout ce qu'il y a. Je compte pas le lait de bébé hein, dedans, c'est en plus, mais ça devrait le faire. Voilà. Je vous laisse, je vais aller ranger tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Désolée si le cadrage est coupé et tout, mais. Là, c'est, il est midi et demi, hein, donc c'est à l'arrache. Hein, voilà. Allez, gros bisous!